chers compatriotes, hier, lundi 19 septembre 2022, le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a posé un acte supplémentaire dans la construction d'une Guinée réconciliée et pour la conduite d'une transition apaisée. Il s'agit du cadre de dialogue inclusif interguinéen, institué par décret et placé sous l'autorité du Premier ministre, chef de gouvernement. La décision de poursuivre une dynamique de dialogue inclusif et fraternel pour une construction collective et durable de la Guinée découle de la volonté de respecter l'engagement patriotique du président de la transition qui, dès après le 5 septembre 2021, a écouté toutes les forces vives de la nation et s'est attaché à la prise en compte de leurs attentes dans le chronogramme de la transition et la lettre de mission du Premier ministre, chef de gouvernement. La mise en place de cet organe s'inscrit donc dans la suite des concertations nationales tenues au lendemain de la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité pour la refondation de l'État, l'adoption de la charte de la transition, la mise en place du Conseil national de la transition, composé des représentants des partis politiques, de la société civile et des forces et défenses de sécurité. L'organisation des assises nationales sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de notre pays. Des assises nationales dont les recommandations vont connaître très bientôt un début de mise en œuvre. Le cadre de dialogue inclusif interguinéen, pour sa part, vise à favoriser les échanges constructifs entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition. Le président de la transition me fait l'honneur et le privilège de coordonner les activités de ce dialogue et de lui rendre compte périodiquement. Désormais, il n'existe plus aucun obstacle pour que les Guinéens et les Guinéennes se parlent et décident de l'ensemble de l'avenir de leur pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dès ma prise de fonction, le président de la transition, dans sa volonté de rassembler les Guinéens, m'a instruit de poursuivre le dialogue et d'amener toutes les parties prenantes à venir autour de la table. Il m'a demandé, avec la sincérité, la fermeté et la détermination qui le caractérisent, d'aller chercher nos sœurs et nos frères qui hésitent à se joindre au cadre du dialogue, afin qu'ils apportent leur pierre à la construction de notre édifice commun, la Guinée. Cet acte de surpassement et de grandeur qui nous est demandé, nous le devons tous à la Guinée et aux générations futures auxquelles nous avons l'obligation de léguer une Guinée prospère, apaisée et inclusive. Monsieur le Président de la Transition, chers compatriotes, vous pouvez compter sur moi pour matérialiser cette volonté. En me basant sur les valeurs ancestrales de tolérance, de partage, de solidarité, de co-construction et celle républicaine, je m'engage à y consacrer toute mon énergie, car nul sacrifice, aucun effort n'est de trop pour établir un pont fraternel pour rassembler les filles et fils de notre famille, la Guinée. Ainsi, sur les instructions du président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour le démarrage effectif dès la semaine prochaine
du cadre du dialogue inclusif. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette page nouvelle que nous allons écrire ensemble vise à consolider les acquis des processus de concertation passés et à dégager le consensus le plus large possible sur l'ensemble des questions pendantes relatives à la bonne conduite de la transition. Plus qu'un espoir de voir prospérer cette démarche, je nourris une conviction profonde qu'entre Guinéens responsables, nous devons taire nos divergences pour regarder ensemble dans la même direction. Nous pouvons y arriver. Nous devons y parvenir. Nous allons le réaliser. Les travaux de ce cadre permettront de trouver un consensus sur l'agenda du chronogramme de la transition soumis par le gouvernement pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. De s'entendre sur les approches et les échéances des mises en œuvre des points d'action de l'agenda. De s'entendre sur les mesures de confiance durant la transition tout en respectant les lois et règles qui régissent notre pays et le respect des séparations des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et d'établir un mécanisme de mise en œuvre des accords trouvés à l'issue de ce dialogue. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, conformément au décret, le cadre de dialogue interguinéen sera animé par un groupe de facilitateurs nationaux que j'aurai nommé. Ces Guinéennes et Guinéens seront choisis sur la base des critères de moralité, de neutralité et d'expertise. Ils auront pour rôle de présider les plénières, modérer les discussions, faciliter une bonne communication entre les parties prenantes, rapprocher les positions entre les parties et veiller au respect des modalités pour assurer l'atteinte des objectifs du dialogue. Pour terminer, mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'aimerais remercier une nouvelle fois le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la hauteur de sa vision panafricaniste et son patriotisme qui viennent conforter son engagement initial, offrir une Guinée apaisée et refondée aux prochains dirigeants. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a cessé de rappeler que le CNRD et le gouvernement que je dirige ne sont candidats à aucune élection et nous n'avons pas de candidat. Ce chantier qui m'est confié, je le mènerai avec l'ensemble des acteurs à qui je tends la main, afin de faire du cadre de dialogue interguinéen un espace convivial d'échanges féconds, de propositions constructives dans un climat apaisé et serein. Gage de l'efficacité et de la réussite de ce processus. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie.